Bonjour à toutes et à tous. Varo, cadeau, choco, je ne sais plus où j'en suis. Je suis désolé déjà de ne pas avoir publié ma petite vidéo hier sur l'unboxing du set, mais j'avais ma soirée de Noël, donc du coup je n'ai pas pu publier la vidéo parce que je ne suis pas rentré chez moi entre-temps. Enfin, si je suis rentré, mais je n'ai pas eu suffisamment de temps devant moi pour publier ladite vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing 8. Je viens de refaire un petit peu d'or dans le calendrier, puisque visiblement, hier, j'ai dû m'amuser à le secouer pour faire rire mes invités. Et résultat des choses, c'était le bazar complet dans mon calendrier et il me manque une case. Donc je ne sais pas ce qui a bien pu se passer. Peut-être que quelqu'un l'a mangé, peut-être que c'est moi. J'avoue que mes souvenirs sur la fin de soirée sont un peu inexistants. Je n'en suis pas fier, hein, je ne prône pas là les bienfaits de l'alcool. D'ailleurs, j'ai en face de moi les cadavres de la soirée d'hier et je dois dire que ça ne me met pas dans le meilleur des états. Enfin bon. Trêve de bavardage, je vais ouvrir le 8 décembre sous vos yeux ébahis. Et nous avons donc un sucre d'orge, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que là on peut être serein, sucre d'orge avec un petit nœud autour. Ça fait du bien de manger. Falloir que j'aille m'acheter de l'eau aussi parce que. Je ressens une soif immense. J'ai dû trop boire hier. Peut-être. Plein de poussière, mon petit dodo. Mince. Croûte de bec. Donc voilà. Petit unboxing. Hein. Je fais les choses courtes. Parce que je suis un peu fatigué de ma soirée. Je vais faire les choses simples. Donc je vous retrouve demain matin pour un nouvel unboxing. Petite annonce, n'oubliez pas qu'il va y avoir une giveaway aux 50 abonnés. J'ai commencé à faire tourner ma chaîne auprès de mes collègues, donc ça commence à monter en termes de nombre d'abonnés. N'hésitez pas à faire tourner la page autour de vous et surtout, c'est très important, à me suggérer des idées de cadeaux. Parce que là pour l'instant, j'en ai eu que deux ou trois, je crois. Il me faudrait peut-être un peu plus pour que je fasse un choix. Donc voilà pour l'unboxing d'aujourd'hui. Je suis désolé, j'avoue que je pense que niveau qualité, il n'atteindra pas la qualité des précédents. Mais je l'ai fait, l'unboxing. Et je peux être fier de moi, je pense, parce que je suis très très fatigué. J'ai un petit peu mal au crâne. Allez savoir pourquoi. Enfin bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et je vous dis à demain.